gueule, Georgie. Faut qu'on bouge. Je te le demande pour la dernière fois. Dis-moi ce que t'en as fait. Ah, je vous l'ai dit, je l'ai bien pris à cette putain. C'est pas ce qu'elle raconte. Vous l'avez gardée. Elle est laide comme un morpion. Ce genre de procès sera brodé dans notre coin. Attention. Attention, je vais faire brodé. Merde, ils ont trouvé le bateau. Reste tranquille, mec. Tout roule pour l'instant. Mon ami est trop bourré pour retrouver son chemin. Attention. Non, c'est bon. Merde. On fait quoi maintenant, Ellis? Ces putains de flics sont partout. Ellis, calme-toi. Tout va bien se passer. Ok. Vous prenez Danny et le fric. Allez à la caisse. Je m'occupe des flics. Je vais les prendre. Mais t'es dingue ou quoi? C'est bon. Il sera pas tout seul. Jésus veille sur nous. Amen. Bon, c'est parti. Hey! Par ici! Bien sûr, l'autre fille était une indienne à 100% et elle l'a mise à jour. Aux unités présentes, contact visuel avec le suspect perdu. Les gars, il est pas là. Essayons ailleurs. Il est là, allons-y. Suspect repéré. Les unités présentes commencent l'intervention. On va le trouver, cette tête de nègre. Tu sais, comme les gâteaux. Aux unités présentes, contact visuel avec le suspect perdu. Merde, il faut des munitions. Allons-y. Suspect repéré. Les unités présentes commencent l'intervention. Contact visuel avec le suspect perdu. Où est Georgie? On a été séparés. Avant qu'on le perde de vue, il a dit qu'on se retrouverait à la maison. Monte! Suspect dans un véhicule. Des agents en quête. À toutes les unités. Suspect repéré. Les unités présentes commencent l'intervention.
arrive à s'en sortir. Je me couche dans un plumard de Nibar, peu importe ce que ça me coûtera. C'est fini ? Ouais, ouais, ouais. C'est fini. Je savais qu'on réussirait, je le savais ! On est riches, putain ! I'm robbing people with a six-gun. Above the law. Rien à foutre de la loi. À faute de l'eau et la loi. Perdu. Alors, il y a combien ? Un peu plus de 2 millions de dollars. Par tête. Putain de bordel ! Une fois que tout sera réglé, j'appelle un mec que je connais pour qu'il nous envoie 3 putes ! Aucune pute ne mettra les pieds dans cette maison, fils. T'es sûr ? Parce qu'il y en a 2 qui seront pour toi, hein. J'irai baiser dans ma nouvelle caisse. Ouais, je préfère ça. Vous savez, pendant toute ma vie, j'ai eu quelqu'un au-dessus de moi qui me disait où je devais aller, ce que je devais faire et qui je devais fréquenter. Mais ça, ce que vous avez fait ce soir, ça, ça change tout. C'est pas juste le fric, c'est la liberté. La vraie. J'ai plus à obéir à qui que ce soit. Et vous non plus. Vouloir, c'est pouvoir, hein ? Vouloir, c'est pouvoir. Eh ben, regardez-moi. Et voilà notre champion. Voilà. Et regardez qui j'ai trouvé sur la route. Tu veux bien en servir 2 de plus ? Putain de bordel. Mais avec grand plaisir. Georgie m'a dit que vous avez eu des emmerdes pendant le casse et que Lincoln t'a sauvé la peau. Tu dois être sacrément fier de ce gamin. Je le suis, Sal. T'imagines pas à quel point. Bon Dieu, ça c'est de la gnôle comme on n'en fait plus. Écoute, j'ai quelqu'un qui attend dehors. Je peux le laisser entrer, qu'il vienne emballer mon fric. Bien sûr. Vas-y, file-moi un peu, tu veux. Le whisky de maïs, ça c'est de la boisson d'homme. Ils sont tous les mêmes ? Prends celui du bout. C'est ta part. Plus que je te dois. J'ai même mis un petit supplément pour le dérangement. J'aurais pas pu m'en sortir sans toi, Sammy. Vous vous êtes tous bien rattrapés ce soir. Et si tu nous sortais une vraie bonne bouteille, faut qu'on fasse ça. Ouais. Faut pas me le dire 2 fois. Allez, on se remet ça. C'est parti, les gars. Tu sais quoi, Lincoln ? T'es le plus bel enfant de salaud que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais t'aurais pas dû dire non. Tu crois que tu vas où, comme ça ? Saloperie, t'as de négro. Allez, chope le sac, on y va. Quand je suis arrivé chez Sammy, t'étais en train de brûler. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé là-bas. Chance. L'intervention divine. Quelque chose d'autre. Sammy, merde ! Lincoln ! Lincoln ! J'ai traîné Lincoln hors du feu. Il a tout juste eu le temps de me dire d'appeler John Donovan. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous saviez comme je regrette d'avoir passé ce coup de fil. Monsieur Donovan, connaissez-vous cet individu ? Bien sûr. C'est Sal Marcano. Mm-hmm. Et vous connaissez aussi cet homme ? C'est Lou, le frère de Sal. Un putain d'enfoiré. Bon.
Allez, arrêtez de tourner autour du pot. C'est quoi la vraie question? Avez-vous aidé Lincoln Clay à assassiner Sal Marcano et tous les principaux membres de son réseau criminel? Évidemment que je l'ai aidé. Ce sont les hommes que t'as l'intention de tuer. Ouais, c'est le plan, mon père. Tu t'engages sur une voie très dangereuse. Et vous avez une meilleure idée? Sal Marcano mérite de mourir. Ça, je te l'accorde. Tue-le. Mais ensuite, tourne la page. Non, c'est pas assez! C'est assez! Si toi, tu décides que c'est assez! Je sais ce que Sal t'a fait, Lincoln. Mais t'auras beau tenter quoi que ce soit, ça ne les ressuscitera pas. Je cherche pas à ressusciter. Je cherche pas à laver mon honneur. Tout ce que je veux, c'est le faire souffrir et lui montrer ce que c'est que de tout perdre. Le regarder au moment où je lui prendrai tout. C'est une pente glissante, Lincoln. Et si tu t'y engages, tu ne pourras plus faire demi-tour. Je vais chez Sammy récupérer mes affaires. T'es prêt? Je t'attends dans la voiture. Gamin, vous m'avez appris à attendre l'autre jour. À ne pas répondre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas dans le monde réel.